Salut tout le monde, on espère que vous allez bien, nous ça va. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tag de Halloween Achat, donc vos messages en bas d'infos, dans le petit i, là. Et qu'est-ce qu'on va faire? Un pack de patates challenge. Let's go. Donc voilà, on va vous expliquer les règles du jeu. Je vais laisser la parole à Luna. Merci. Et si vraiment elle a pas très bien compris le truc, je vous expliquerai ensuite. Donc déjà on a une petite table. Voilà, on a tout mis sur une petite table. On a un petit verre, donc c'est mon étiquette. Voilà, dedans on a mis les petits papiers que l'on devra piocher. Et faire avec les pots de pâte à modeler. En fait on va devoir piocher donc un truc. Un petit papier. Là j'ai fruit, je devrais faire un fruit. Mais en fait peut-être que maman pourra retomber sur un fruit également. Et je devrais lui faire deviner le fruit que j'aurais créé. Oui. Et en fait vu que maman l'a mis deux mêmes papiers dans le bol. Et on va devoir piocher en l'aveugle deux pots de pâte à modeler. En fait on va piocher deux pots de pâte à modeler. Avec les yeux bandés et on devra les utiliser pour toute la vidéo. Voilà. Voilà. Vous avez compris? C'est parti. C'est parti. Ben on va commencer et c'est moi qui vais commencer à piocher. Alors, vas-y, tu peux mélanger. J'ai combien de doigts? 5. Ouais. Mais je vois rien en plus. J'ai combien de doigts? 0. J'ai combien de doigts? 0. Ok. On va mélanger. Vas-y. Tu peux ouvrir tes yeux. Mais je voulais le rose. Du rose, du violet et du blanc. Moi je voulais le rose. Et le ah bah blanc. Voilà. T'es prête? Ça passe plus tard, là, peut-être. T'es prête? Oui. Donc, combien j'ai de doigts? 10. Non. Combien de doigts? 2. Oui, combien de doigts? 5. Non. Alors, on va mélanger. Vas-y. Ah, ça va, j'aime bien ces couleurs. Et en plus, t'es même pas tombé sur le rose. Ouais, c'est pas grave. Bon, ces pots-là, on les garde pour plus tard. Voilà. Voilà, c'est parti, on a toutes les deux nos pots. Donc moi, j'ai du vert et du bleu. Et moi, du blanc et du violet. Donc du coup, on a notre petit pot au milieu et on va commencer à piocher. Donc on a, vas-y, pioche. Tu dois pas regarder. J'en regarde pas. C'est bon. Vas-y. On regarde en même temps. Allez, 1, 2, 3. Ça va dire. Oh. T'as quoi? On doit pas dire. Et si on doit dire ce qu'on a? Ah oui? Animaux. Bonbons. Oh, t'as l'air. On met le petit papier là. Donc on va devoir réaliser un bonbon et Luna un animal. Mais je sais pas moi. En plus, on a fait des gros pots. comment t'as fait? J'en ai dans l'ongle. Satisfaisant. Je préfère le seuil quand même. Mais c'est trop satisfaisant quand même. Dites-moi si vous adorez la pâte à modeler, moi j'adore. Bon, un bonbon. Toi t'as la chance, moi c'est dur. Je sais que je... On n'a pas le droit de regarder sur l'autre. À la prochaine, je te dis, on n'aura pas le droit de dire c'est quoi. Ok. Je sais pas quoi faire. Ah si.
Donc voilà, on a fini. Alors Luna, moi j'ai réalisé ceci. Alors attends. Alors qu'est-ce que ça peut être comme bonbon? C'est pas les petits bonbons en serpent? Non. C'est un truc que j'adore manger. Bon, je l'ai pas trop bien réussi, hein. Je suis pas très douée. Ouais, je sais pas. En fait, c'est les bonbons, vous savez, les langues de chat là qu'on mange des deux couleurs, des deux côtés. Voilà, j'ai essayé de réaliser ça. Alors moi, c'est quoi? Mais je vous montre. Ouais, je montre ça. Et donc, à ton avis? Alors, je vais deviner. Déjà, je peux te donner un avis. Non, je crois coup, savoir ce que c'est. C'est quoi? Une tortue de mer. Oui. C'est vrai, c'est ça? Elle est trop forte. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais pourquoi? Moi, je pense que c'est une tortue de mer. Pourquoi t'as dit que j'étais trop forte? Parce que tu l'as bien fait. Allez. J'ai l'habitude d'en faire à l'école. En maternelle, on m'en avait fait des tortues. Bon, on passe au deuxième round. Et on ne doit pas le dire cette fois, ce qu'on a. Mais on n'a pas besoin de cette fois. J'ai fini. Moi aussi. C'est vrai? Oui. Attends. Alors j'ai terminé, voici ce que j'ai réalisé. Dites-moi si vous pensez savoir ce que c'est. Luna, je pense que c'est quoi? Moi j'ai fait ça, une pomme. Une pomme? Moi aussi j'ai fait une pomme. Ah, on a toutes les deux fait une pomme. Trop forte. En fait, alors, on adore les pommes, c'est pour ouais, ça. Ouais, on adore les pommes. Et encore au début, je voulais faire un kiwi et puis je me suis dit, oh non, vas-y, je vais faire une pomme, j'en ai mangé une... Je vais en manger une tout à l'heure, j'avais faim alors. Bon ben. On a fait la même chose. Voilà. Bon, allez, troisième round. C'est encore toi qui repioche. Franchement, c'est sympa le truc. J'aime bien ce challenge. Moi aussi. Et on doit pas le dire encore, hein, ok? Allez, c'est parti. Parti. Que vous devinez ce que c'est? Mais j'ai demandé encore la même chose. Tu devines? Un pantalon. Ouais, c'est ça, c'est un pantalon. Attends. Toi, ça doit être un vêtement aussi. T'es tombé sur un vêtement comme moi, toi? Oui, un vêtement. On est encore tombé sur la même chose, c'est ouf. Moi, c'est, tu sais, c'était quoi? Bah oui, mais c'est un vêtement, mais c'est quoi? Je voulais regarder ce que c'était. C'était un t-shirt. Un t-shirt et une jupe. Alors, fallait faire qu'un seul. Ah. Donc, voilà. Donc, on a fait un point. C'était meilleur, toi, ce que t'as. Bah oui. Et toi, t'es plus grand. C'est pas évident quand même, hein. J'ai galéré au début. Je voulais faire une robe. Et j'ai pas réussi à faire la robe. Allez, c'est moi qui commence. Quatrième manche. Il en reste deux. Allez. On a encore un. Encore. Je suis tombée sur un truc. Moi aussi. C'est dur. Donc voilà, on a toutes les deux fini. Alors moi, voici ma réalisation. Je pense savoir ce que c'est. Alors, tu penses que c'est quoi? Et moi voilà. Une table. Oui, c'est une table. Il n'y avait pas de truc table? Si, meubles. Ah bon, t'as fait mes meubles? Oui, j'ai eu les meubles. Donc du coup, j'ai fait une table. Et toi? Bonjour. Alors toi, t'as eu un bonbon. Oui. Et je dirais que t'as les bonbons en serpent. Oui. Ah, on est trop fort. Serpent et verre de terre un peu. Oui, voilà. Ça va quand même, le serpent et verre de terre. Donc on a encore gagné toutes les dernières. La cinquième manche. Voilà, cinquième et dernière manche. J'espère avoir meuble parce que... Imagine t'as meuble encore.
à toi. C'est le dernier papier pour moi. Donc, c'est parti. C'est un meuble. Ouais. J'aurais dit un lit. Oui. C'est vrai? Bah. Il est bien fait mon lit, hein. Et voici ce que j'ai réalisé. Je sais déjà ce que c'est, un chien. Non. Un chat? Non. Une souris? Non. Montre. Un lapin. Oui, c'est un lapin. Comme tu m'avais fait l'autre fois. Je sais pas si vous trouvez qu'il ressemble à un lapin. Enfin, je suis pas très douée. Non, parce que les oreilles, mais... non. Voilà. Donc voilà, je t'avais dit les filles. Et donc voilà, la vidéo pâte à modeler challenge est terminée. Et bien sûr, on va taguer des personnes. Bah oui. Bon, moi je tague des mots jouets. Je tague Meilana Aquarius. Studio Bubble Tea. Recrafun. Swan Cooking. Le monde de Tiffen. Elise Magic World. Gabin et Lily. Moi les folies de Loane. Et je tague Alex et Morgane. Voilà. Voilà. Ah, et j'ai oublié Melados World. Donc voilà, n'hésitez pas à relever ce challenge. Voilà. Donc en fait, pour relever ce challenge, il vous faut de la pâte à modeler. Voilà, des petits papiers. Donc après, vous écrivez ce que vous voulez, mais les sondages, il faut les faire sur Instagram. Voilà. Donc voilà, la vidéo est terminée. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, des commentaires. Et bien sûr, si la chaîne vous plaît, abonnez-vous. Ciao.